wanted what he couldn't get. Was a man who hated his own fortune. Je suis la sixième génération d'une famille de vignerons. Donc j'ai grandi ici, dans la vallée de la Marne, j'ai grandi dans l'univers du champagne. C'est un métier qui est difficile en effet, c'est un métier de la terre. C'est un métier où il faut savoir se donner pour avoir un produit qui donne en retour. La passion familiale pour la vigne, pour le raisin, pour le champagne, c'est quelque chose de très ancré en moi et dans mes origines et dans mes racines familiales. La comtesse A, ça vient tout simplement de mon nom de famille. Donc, je m'appelle Anaïs Lecomte et donc j'avais envie de garder l'esprit familial pour ma marque de champagne. Donc tout simplement le comte au féminin qui est la comtesse, mais surtout qui a une résonance particulière parce que c'était le surnom de ma grand-mère. Donc la comtesse pour se souvenir et A tout simplement parce que je m'appelle Anaïs et c'est l'initiale de mon prénom. C'était important pour moi dans ce milieu du vin, du champagne qui est très masculin, de pouvoir montrer une marque innovante, pleine de féminité, pleine d'audace, qui soit vraiment différente et qui puisse proposer aujourd'hui deux cuvées exceptionnelles. Alors l'inspiration de ces bouteilles, c'est que pour moi le champagne, c'est vraiment un nectar précieux, c'est comme une essence, comme le parfum. Et c'était important de retransmettre ces codes d'un univers si féminin, si authentique, si précieux. Le travail du champagne est un travail qui est très méticuleux, qui demande beaucoup de passion et de patience. C'est un processus de longue haleine et qui est presque un travail de laborantin en fait. D'où le parallèle avec l'univers du parfum. C'est important pour la comtesse A de proposer un champagne unique, qui soit un champagne très festif, un champagne qui soit dédié aux grandes occasions, mais qui soit tout particulièrement le fruit d'un grand travail de qualité. C'est un champagne qui se veut fin et élégant, c'est un champagne qui va être doux, qui va être fin, mais qui n'est pas uniquement dédié aux femmes.